Eh bien salut et bonjour à tous, c'est Coach Nico, donc on se retrouve pour un épisode avec la carrière avec Carlisle. Alors je suis navré, désolé, j'ai eu des gros problèmes de PC, en fait où j'ai une coupure de courant. Et en fait ça m'a squeezé ma partie. Ça m'a squeezé ma partie, donc j'avais perdu la sauvegarde et tout ça, donc enfin la sauvegarde ne voulait plus sauvegarder, donc j'ai dû fouiller dans le PC pour réparer tout ça. Et donc là j'ai enfin réussi à retrouver donc la partie milieu de semaine dernière, enfin fin de semaine dernière à peu près. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve après une semaine sans épisode. Alors où est-ce qu'on en était la dernière fois? Bah écoutez, deux matchs de coupe, on s'était fait malheureusement misérablement dégager des deux coupes. Donc ça nous permet aussi de jouer le championnat à fond. Après la question qu'il faut se poser c'est est-ce que mes joueurs vont réussir à tout simplement relever la tête. Est-ce qu'ils vont réussir à relever la tête? Ça, c'est la grosse question. Puisque c'est pas simple après une défaite généralement de pouvoir en tirer des leçons et puis en ressortir un petit peu plus grand. Donc là, ça va être ce qu'il va falloir absolument faire. C'est tout simplement de voir quelle va être la réaction des joueurs. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va être parti. Attendez, je recherche juste un buteur. Ok, on va mettre lui. On verra bien de toute façon la réaction de mes joueurs. Donc là on va jouer contre qui? On va jouer donc contre Cheltenham qui sont et Crawley. Donc Cheltenham et Crawley qui sont en milieu de tableau si je ne m'abuse. Non, Cheltenham qui sont au-dessus de nous. Pardon, ils sont cinquième. Ils ont 2 points de plus que nous. Et Crowley par contre eux sont 19e. Donc là il va falloir aller chercher des points. Et surtout que l'équipe réagisse bien. Surtout ça. Donc changer. On va mettre ça en passe un petit peu plus courte. On va pas leur en demander trop. Allez, on est parti. On va passer au match. Donc je sais pas si vous ça vous avait manqué de voir la petite carrière avec Carlisle, mais en tout cas moi ça m'avait beaucoup manqué. Toc toc, c'est à vous de jouer maintenant, bonne chance. Allez, on est parti. On est parti, attention, Rayleigh, McDonald, Feigné. C'est directement récupéré, Thomas. Thomas, mais non, McDonald qui peut la récupérer, ça c'est très bien. Attention, KVD, Alessandra. Alessandra qui peut la mettre sur Rayleigh. Guy, Walker. Walker qui peut écarter sur Tanner. Tanner, Tanner, t'as le temps. T'as le temps, il a essayé de la mettre en retrait, mais c'est attrapé par la défense. Et c'est Williams qui se relance. Oh, Guy qui se bat beaucoup. Tanner, Guy. Melish qui la met pour Walker. Walker qui peut centrer. Pouh, se fait faucher. Penalty. Penalty, on peut pas, au bout d'une minute 30 de jeu, on pouvait pas faire mieux. Et un petit carton jaune en prime, ça c'est parfait. Attention. KUD qui va s'élancer. Allez, le loupe pas. Oui! Bien joué KUD, c'est parfait Joshua. Et on félicite. Voilà, très bon début de match de la part des joueurs de Carlisle. Et ça c'est ce qui nous permet de remonter un petit peu cinquième. Et de passer devant Cheltenham. Attention, Tanner, faut creuser l'écart. Attention, Tanner pour Rayleigh. Tanner qui sauve la touche. Hop là, Guy qui peut centrer pour KUD de la tête, mais c'est contré par le gardien. Attention, McDonald. McDonald dans la surface, Melish. McDonald, Melish. Oh, la praline de John Melish. C'est parfait, juste sous la barre, c'est ce qu'il fallait. Et bah comme quoi on se demandait si la coupe avait entravé un petit peu la motivation de mes joueurs. Pas du tout. Enfin, en tout cas ça va en 10 minutes, il montre tout le contraire. Attention, Guy au coup franc. Guy, non, c'est dans le mur. Walker. Enfin, quel match. Hayden. Hayden pour KUD. Hayden, Guy. Non, c'est pas forcément bien joué. Attention, Tozer. Premier moment clé, non. Si, premier moment clé pour Cheltenham.
Chapman qui peut écarter sur Field. Field. Oh, Farman qui permet d'attraper ce ballon et de relancer son équipe avec un très mauvais ballon d'ailleurs. Au passage. Attention, Raglan. Thomas, Chapman. Raglan toujours. Blair, Thomas. Thomas pour Chapman. Blair. Blair. Ouf, le poteau qui peut nous sauver. Allez. Et là, on se fait un peu bouffer là. On se fait un peu bouffer depuis 10 minutes. Bien joué, Farman. Oh, beau dégagement. Walker. Ah non, dommage, je l'avais vu aussi en profondeur. C'était très bien tenté. Oh, attention, William. C'est juste à côté. On respire. Mais match en tout cas, grosse intensité dans ce match. On voit que c'est un match de haut de tableau. Attention, Tanner pour Walker. Tanner. Tanner tout seul. Oh non, t'aurais dû tirer, mon grand. McDonald. Et McDonald va dans la surface. Attention, Melish. Melish, là, si tu joues bien. Bien joué, Rayleigh. Allez, il a du soutien à gauche, là. Oh, c'est dommage. Mais c'est bien joué. C'est très bien joué, quand même. C'est très, très bien joué. Et nous, on reste cinquième à égalité de points avec le quatrième. Ouh, bien joué, Melish. Guy, qui la met pour Rayleigh. Walker. Walker qui rentre dans la surface. Corner. Un petit corner de gratter juste avant la mi-temps. Allez, Alessandra. Alessandra pour tirer ce corner au premier poteau. Non. Reglan qui dégage. Alessandra, c'est bien. Belle bataille. Melish qui la met pour Farman. McDonald. Caillou D qui peut la mettre pour Eli. Walker. Pff, c'est très très bien joué ça. Un petit corner. Juste avant la mi-temps toujours. Au premier poteau. C'est dommage pour Hayden. C'est Walker, c'est pas fini. Allez, Walker. C'est notre temps fort là. Tanner qui trottine un petit peu. Mi-temps. Très belle première mi-temps. Très content de votre prestation. Continue comme ça. Walker, Alessandra, par contre, ça commence à se fatiguer un peu. Surtout Alessandra qui est pas très très bon. Attention, Hayden, Tanner, Walker. Walker qui peut la mettre sur KUD, c'est très bien joué ça. KUD pour Alessandra. Oh, c'est juste à côté. C'est juste à côté. On a un petit changement, Alessandra qui est. KUD. Allez, attends du soutien, Alessandra. Melish. Non, il peut la récupérer, c'est pas fini. Pour Tanner. Tanner pour Walker, c'est très bien joué ça. Walker qui centre, non. C'est pas bon, c'est pas fini. Hayden, Tanner. Hayden. Guy, Tanner, toujours. Tanner, non, je peux pas trouver. C'est pas fini, toujours pas. Qu'est-ce que ça joue bien. Récupération de balle très haute. Oh, KUD. Excellent enroulé de la part de KUD. Ça finit au ras du poteau droit à la base. Très difficile à aller chercher pour un gardien, ça. Magnifique. Le petit jeu de passe de toute façon. Et là, paf! Excellent. Le gardien n'était pas dessus. Et ça fait 3 buts à 0. On est 5ème, Leyton Orient. Qui. On est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Parce que quand on regarde, on est à 2 points du 2ème. Mais par contre, on est aussi à 2 points du 8ème. Hein. C'est très serré. C'est très très serré. Attention, Farman. Farman qui la met pour McDonald. McDonald, il reste 25 minutes de jeu. McDonald pour Lewis Bell. Lewis qui centre pour. Oh, Walker! Ethan Walker qui permet à Carlisle de 4-0 avec un excellent centre de Lewis Bell. Excellent. Excellent Lewis Bell là qui ouvre bien son pied. Qui trouve bien Walker dans le dos de la défense.
Je sais pas la différence de but de Leighton Orient, mais quand même. Blessure d'Ethan Walker. Scott qui a pas réussi à frapper au but, enfin si, mais il a réussi, mais ça a été contré. Attention, Tozer. C'est Finet qui dégage. Kayode. Kayode qui se fait un peu bousculer. C'est Blair qui relance. Williams. May. Williams. Williams qui joue derrière. Très beau jeu de passe pour l'instant. Faut la récupérer celle-là. Hors jeu. Guy, Devine ou Charters. 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 Reilly qui va se faire remplacer par Obiero. Et un petit dernier changement. Allez, il est malgré que tu fasses super match. Ah, on est retombé 6ème. Exeter qui a gagné son. Qui est en train de gagner son match. Mais c'est pas grave. On a déjà fait un super match. Attention, Clement. À 45 secondes de la fin. Clement pour Blair. Blair pour le centre. Oh, c'est bien dégagé. Attention, Obiero. Obiero pour Tanner. Tanner, attention. Tanner, ouais, qui se bat bien, mais non. Il perd face à. Clement, c'est bien dégagé. Bon, de toute façon, on ne peut pas mettre 5 buts en 5 secondes, c'est pas possible. Voilà, c'est bien, ça se dégage bien. Et c'est la fin du match. Oh, excellent. Belle victoire, bien joué. Très très bien joué. Et nous, on va gentiment se diriger pour... 4 semaines à 2 mois. Oh. Parti en vacances. Le match suivant. Allez. Allez, c'est parti. Contre Crawley Town. Alors. Alors, Carlisle qui sont retombés 8e du championnat à l'heure où on se parle. Avec 3 et 5 matchs de retard sur les autres équipes. Donc on a 6 points de retard sur le premier. Qui est Cambridge United dans la vraie vie, hein, bien sûr. Donc du coup, il faut absolument que l'équipe se réveille un petit peu et ne perde pas ses matchs en retard. Allez, retour sur le jeu. Ah, j'étais un petit coup d'œil pendant les vacances. Je le ferai de temps en temps d'aller jeter un petit coup d'œil pendant les vacances. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter d'Antonin. Je mets le lien dans la description. Faut surtout pas hésiter, c'est vraiment un bon petit gars qui a envie de faire juste connaître son équipe favorite anglaise à la population française. Donc ce que je trouve très très noble de sa part. Et surtout qu'il fait tout seul, il a bien du mérite. Pas forcément simple de gérer une chaîne, une chaîne Twitter comme ça. Donc n'hésitez pas, en plus il met plein d'infos assez sympa. Donc voilà. Alors. Mais mon arrière gauche, c'était qui, moi? Je me souviens plus. Anderton. C'est ça que j'ai mis au repos, mais McDonald fait quand même.
un très bon match. Il fait quand même de très bons matchs. Ouais, je vais laisser Anderton quand même. Guy, par contre, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, mais en même temps, j'ai pas forcément mieux là. J'ai pas forcément mieux à mettre sous la dent. Juste Zanzala qu'on va associer à KUD. Lewis Bell à gauche, Alessandra à droite. Melish Guy, Anderton, Finney, Hayden et Tanner. Ok. Bon allez, on est parti. Allez, rencontre. Consigne particulière, sélection de l'équipe. On est parti. On est parti. Passer au match. Oui. Vestiaire les points serrés. Nous sommes sur une bonne série. Je vois un gros match. Personne n'est content. Ah bah enfin j'arrive motivé du monde. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Nichols. On va les encourager tous là. Donc là, c'est un match qui quand même devrait être à notre portée. On pourrait se mettre à 24 points, on pourrait se mettre très bien. Lewis Bell pour KUD, KUD, non, ça dégage. Ça dégage, oh, l'auto-passe de Nichols. Wow, c'est très bien défendu ça. Très très bien défendu, attention. Ouais, on se fait un peu arracher en ce début de match là. On se fait un peu ouvrir un quart d'heure de jeu et on perd 1-0 contre Crawley. Pour qu'on arrive à bien jouer contre les grosses équipes et pas les petites, je sais pas. Je sais pas, mais on se fait clairement ouvrir là par contre. C'est pas vrai ça! Comment l'équipe elle peut hyper bien tourner au match d'avant? Et là c'est de la merde. Allez, KUD. KUD pour Zanzala. Alessandra. Allez, Alessandra, tu te bats bien. Non, c'était naze, ça, c'était naze. Allez, Alessandra. Guy, Alessandra, toujours. Alessandra qui peut entrer dans la surface. Tanner. Qui a mis une praline, mais non. Dans les bras du gardien. Allez, c'est pas fini. Alessandra. Je suis en petite passe, ouais, en passe courte, je comprends pas. Nick Anderton, ouais, c'est le seul où j'hésitais, c'est le meilleur. Allez, Tanner. Tanner pour Alessandra. Guy va la récupérer. Allez, il va jouer avec Melish. Melish pour Tanner. Tanner pour Alessandra. Putain, mais arrête de tirer, tu sais pas tirer. Truc de fou ça quand même. Deux frappes qu'on fait, non? Allez, Anderton. On commence à reprendre un peu la mesure du match. Anderton qui peut éclater sur Melish. Melish pour Tanner. Tanner, allez, Reynolds. Putain, pourquoi vous tirez tout le temps à côté? Du même endroit en plus. Trois frappes cadrées, c'est du même endroit. Même dans les airs, les trois. Guy.
Anderton. Voilà, Zanzala pour son retour sur le terrain. Le retour de sa sélection a aidé, il permet de réduire l'écart de 1. Attention, Davis. Davis pour Nichols. Nichols dans la surface. Et Frost qui creuse l'écart juste avant la mi-temps, ça fait mal. Ça fait mal, on était bien revenu en plus. On va lancer une bouteille d'eau. Ça faisait longtemps. Attention, Milich. C'est bien ça. Guy qui récupère. Milich, Guy. Guy, c'était nul. KED. Oh, le poteau. La claquette du gardien qui dégage sur le poteau, c'est dommage. Allez, Alessandra. C'est compliqué. Milich pour Hayden. Hayden, c'est pas assez. Frost. Frost qui va relancer vers Nichols. Non, c'est Hayden qui la récupère. Tanner. Milich. Milich pour Bell. Anderton. Qui peut la mettre loin pour KUD. KUD qui élimine le gardien. Et KUD qui fait un excellent boulot de dribble. Qui tire dans le but vite, mais dans un angle pas facile quand même. Excellent ça. Excellent, 3-2, c'est pas fini. Il n'y a jamais rien qui est fini. Et on va se faire cligner la gueule encore. Non, ça va. Ça va. En plus, ils méritent même pas de les mettre leur but quand on regarde les LG. Ils méritent même pas de les mettre. Ok, alors. Le problème dans le délire, c'est que voilà, je peux pas. Si tu veux monter quand même. Ah. Non. On va faire ça plutôt comme ça. Gaïa, Shifter, si tu veux aller là. Et finir McDonald's. Il reste 10 minutes, l'égalisation est à la portée de main là. Charters. Charters pour le coup franc. Non, c'est dans les bras de Maurice directement. C'est dommage. Il faut la récupérer haute là. Voilà. Tanner. Tanner pour Charters. Bell. Bell qui la met pour Zanzala. Zanzala qui a tout son temps. Il la met pour Bell. Scott qui a failli tromper le gardien, mais non, il a raté le ballon. Allez, récupérons, faut la récupérer, voilà. Scott pour KUD. Milich. Charters pour Bell. Charters. Milich, Tanner. Ah, faut arrêter là. Faut trouver la petite passe là dans le petit trou. Ferguson. Frost, c'est bien dégagé. Davis. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, voilà, c'est bien McDonald. Frost. Hayden, c'est bien ça. Très très bien ça. Allez, contre-attaque. Contre-attaque. Scott, tu peux faire la diff. En tout cas, c'était chaud de le trouver. On va sortir Zanzala. Ça pue. Powell. Il n'y a pas en jeu là-dessus. Il récupère le ballon sur la ligne, il n'y a pas en jeu. Oh, c'est pas mérité. Bon, ben voilà, ça va s'arrêter là. Défaite, c'est dommage, après un super victoire contre Cheltenham. On s'écroule contre Crawley.
On méritait peut-être pas de gagner, mais on méritait pas de perdre. Bon, c'est comme ça. Et on reste à notre 7ème place. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, bah écoutez les potes, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore pour l'absence d'une semaine. Demain, le programme, ça va être donc contre Tranmere et Salford. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à demain. Allez, ciao.